Good morgen, allez-y, d'un et sur aujourd'hui, le Nishmat Esther Bat Miriam, ainsi que l'offre de l'Evesa de Shimon Metra Esther, Khamchat Miriam Bat Roselena, et bien mille mènes Khabibab Tor Shachol Israël. Si vous souhaitez, vous souhaitez d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions Maseret Rouin, Père Gimel, Mishnah Tet. Rabbi Dosa Ben Arkina Somer, a Over Lifne Ateva Biyom Tov, Shel Rosh Hashana. Omer, Achalitzenu, Hashem, Elokeinu, et Yom Rosh Chodesh Haze, Im Hayom, Im Machar. Ou le Machar ou Omer, Im Hayom, Im Emesh, Velo Odulo Chachamim. Il y a, ça fait maintenant la troisième Mishnah consécutive qui parle du sujet de Rosh Hashanah, des deux jours de Rosh Hashanah. Je réexplique très succinctement l'idée. Il y a le jour de Rosh Hashanah, il est fixé. Lorsqu'arrive le 30 Elul, ça veut dire que ça fait maintenant la 30e journée après le Rosh Chodesh Elul, eh bien, on démarre la journée le matin au Beit HaMikdash, on fait le Korban Tamid, mais on attend gentiment, en faisant aucun travail interdit, parce que peut-être qu'aujourd'hui, il va s'avérer qu'on est Rosh Hashanah, que c'est Yom Tov. Peut-être que oui, peut-être que non. Dans le doute, tout est en stand-by. On patiente et on attend. Est-ce qu'il va y avoir des témoins qui vont venir? S'il y a des témoins qui viennent, qui ont vu la nouvelle lune, eh bien, on va décréter que ce jour est Rosh Hashanah. On va vite faire tous les corbanes au Beit HaMikdash, les gens vont se mettre à sonner le chauffard chez eux, on va faire sortir le... on va faire courir le bruit qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Je ne sais pas exactement concrètement comment ils faisaient pour communiquer loin de là. Peut-être que dans le doute, ils sonnaient déjà, je ne sais pas. En tout cas, c'est devenu Rosh Hashanah, et donc on finit ensuite cette journée. Rosh Hashanah est terminé, c'est fini. On est le 2 Tishrei. Le Tishrei, c'est un jour profane, en théorie. Ou bien... les témoins ne sont pas venus, on a patienté, on a conclu qu'ils n'allaient pas venir aujourd'hui très rapidement, on a donné l'ordre au Beit HaMikdash, bon, faites vite le Korban Tamid de l'après-midi, puis ce jour-là, c'est un jour profane, et les témoins ne viendront plus. Et donc c'est un jour profane, et le jour prochain sera réellement le vrai jour de Rosh Hashanah. C'est comme ça que ça devrait se passer en théorie. Seulement, il y a un problème technique, c'est que au fil du temps, il va s'avérer que les gens, ils vont... s'empêcher de travailler alors qu'ils avaient plein de travaux à faire. Ils vont attendre 2h, 3h l'après-midi, toujours pas de nouvelles. Donc, finalement, si tu décrètes cette année que finalement, après 3h l'après-midi, ça y est, c'est pas Rosh Hashanah, c'est un jour profane, l'année prochaine, il va y avoir quelqu'un qui va se dire, ah, 2h, ouais, ça va pas être Rosh Hashanah. C'est sûr, les témoins, ils vont pas venir. Il va se mettre à profaner, et puis en réalité, les témoins, ils vont venir après. Du coup, Chachamim, on dit quoi qu'il arrive, le premier jour, c'est déjà un premier jour de Rosh Hashanah. Si les témoins ne sont pas venus, on fera encore un deuxième jour, mais c'est un jour qui dure pendant 48 heures. Ça, c'était, de manière générale, le principe de Rosh Hashanah selon Chachamim, selon tout le monde. Il y avait sur ça une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que maintenant, c'est considéré comme deux jours de 24 heures, ou un, c'est un vrai jour de Rosh Hashanah, et l'autre, c'est un jour profane, et qu'on a fait un décret de le faire, ou est-ce que Chachamim, ils ont renforcé le décret en disant, non, faites un grand jour de Rosh Hashanah de 48 heures, en fait. D'accord? Du coup, on a eu deux Mishnayot qui nous ont parlé de Rosh Hashanah, une sur Eruv, une autre sur l'histoire avec le prélèvement des tourbeaux Thomas, sortez l'œuf qui naît à Shabbat, à Yom Tov, à Rosh Hashanah. Maintenant, on continue encore avec un peu la même idée. Rabbi Dosa Ben Arkinas Omer. Rabbi Dosa Ben Arkinas dit, « A over l'ifinateva be Yom Tov shel Rosh Hashanah, celui qui monte officier à l'office de Rosh Hashanah, eh bien, il pourra dire, il devra prier, Achalitzenu Hashem Elokeinu et Yom Rosh Chodesh Haze. Hashem renforce-nous, Achalitzenu. Il nous rapporte le Barthénora en disant comment on est Chalitz Roshim. On va se renforcer, on va partir avec force. Donc on demande à Hashem, en l'honneur de Rosh Hashanah, renforce-nous. Ou bien sauve-nous. C'est la deuxième explication du Barthénora. Atzilenu Maletenu. À chaque fois il rapporte des versets pour nous. Pour renforcer son. Ces deux explications, soit c'est pour nous renforcer, nous donner des forces, ou bien soit au contraire pour nous sauver de l'exil. Donc on prie en l'honneur de Rosh Hashanah pour ça. Sauf que regardez, il n'a pas dit Rosh Hashanah, et Yom Rosh Chodesh Haze. Ce jour de Rosh Chodesh. Comme ce qu'on a dit, le premier jour de l'année, c'est aussi le premier jour du mois, du premier mois de l'année. D'accord? Et là, Rabbi Dosa, il pense que tu peux faire une prière en mentionnant aussi qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Tu prends le nom de Rosh Chodesh. Entre parenthèses, regardez dans le Moussaf de Rosh Chodesh, de Rosh Hashanah, on fait attention là-bas à dire « Et Moussefe Yom Rosh » « Et Moussefe Yom Azikaron »
Et dans tous les sidurim, entre parenthèses, mousfé, c'est. Au lieu de dire qu'on fait le korban moussaf de Yom HaZikaron, on dit on fait les korban moussaf, et mousfé au pluriel, Yom HaZikaron. Tous les korban moussaf de Yom HaZikaron, il y a marqué dans tous les marzorim, sfarad, je ne sais pas, sidurim, ashkenaz, je ne sais pas, ils ont observé, mais il y a marqué entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'on dit au pluriel qu'il faut penser à ce moment-là à ce que notre prière, elle monte à la place des korbanot de Rosh Hashanah et de Rosh Chodesh. Parce qu'à Rosh Hashanah, on offre aussi des korbanot de Rosh Chodesh. Mais on ne mentionne pas Rosh Chodesh dans notre filote. On a ici Rabbi Dossa qui nous dit de mentionner aussi Rosh Chodesh dans notre filote. On va expliquer tout de suite ce qui se passe. Pour le moment, je continue à avancer. Et en plus, ça, de quelle manière il prie en disant « Imayom imachar » que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, le vrai jour de Rosh Hashanah. C'est-à-dire par rapport à l'histoire qu'on fait deux jours de Rosh Hashanah, Rabbi Dossa, il dit bah, « Tu sais quoi, Rabbi Dossa, il te dit, tu montes le premier jour de fête. Tu pries en disant « Hachem, sauve-nous si toutefois aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. » Et tu attends le lendemain, et le lendemain, ou Omer, il redit la même chose. « Imayom imemesh, sauve-nous Hachem que ce soit aujourd'hui le vrai jour, ou bien si c'était hier, on te demande de nous sauver. » Donc en fait, il y a ici Rabbi Dossa qui fait deux grands chidushim. Un premier chidush, c'est que tu pries en mentionnant que Rosh Hashanah est Rosh Chodesh. Premièrement. Et en plus de ça, tu pries en mentionnant que c'est possible qu'en réalité aujourd'hui c'est pas le vrai jour. Parce que tu dis peut-être oui, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais quoi qu'il en soit, sauve-nous. Donc c'est une prière problématique, doublement problématique. Et c'est sur ça que Velo Hudulo Chachamim et Chachamim n'ont pas été d'accord avec Rabbi Dossa doublement, comme si elle explique le Barthénora. Tout d'abord parce que tu t'amuses pas à dire que. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Mais surtout, parce qu'il ne faut pas mentionner dans nos prières que Rosh Chodesh, que Rosh Hashanah est Rosh Chodesh. On se contente de dire que c'est Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah, ça implique que c'est aussi Rosh Chodesh. Comme ça, c'est expliqué un peu de manière un peu sèche dans la Gemara. Et Tosot qui rapporte sur ça, le Pirouche du Harour, qui dit que Bakeseleum Hagenu, qu'il y a un Inyan à Rosh Hashanah de ne pas mentionner que c'est Rosh Chodesh. Si ça vous intéresse, j'ai entendu une explication fondée sur du Zohar, mais qu'on ne m'a pas montré le Zohar, donc je répète ce qu'on m'a dit, quelque chose de très, très original, très joli quoi, c'est que finalement le Satan il vient à Rosh Hashanah, il accuse les bénis Israël de ne pas avoir fait les mitzvot comme il fallait, et du coup il dit « Ah, t'as des témoins pour ça ?» Il dit « Oui, j'ai des témoins, j'ai le ciel, j'ai le soleil et la lune. » Et du coup il appelle le soleil, il appelle la lune, mais la lune elle vient pas parce que c'est « Bah, qu'est-ce que c'est le c'est un jour, le Rosh Hashanah, c'est un jour où il n'y a pas de. On ne voit pas la lune. Il n'y a pas la lune, donc la lune ne vient pas. Comme ça, apparemment, il y aura un Zohar qui dirait. En tout cas, il y a un lien dans Rosh Hashanah de ne pas mentionner Rosh Chodesh. C'est écrit ici. C'est l'avis de Chachamim qui nous dit que l'eau de l'eau Chachamim n'ont pas été d'accord de mentionner dans les filotes que c'est Rosh Chodesh. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha. Kol, tout, c'est là.